Voici le guide complet de l'arme spéciale des 4 épées élémentaires sur la map Citadelle des Morts de Call of Duty Black Ops 6 Zombie. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer comment obtenir l'épée et comment l'améliorer en feu. Alors, première chose que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir la totalité de la map pour accéder au pack a punch. Quand vous aurez accédé au pack a punch, vous allez devoir atteindre la manche 10 plus ou moins pour avoir un zombie avec un saut sur la tête qui va vous donner justement un item de saut. Quand vous avez cet item, vous allez devoir vous rendre au passage du grand hall pour interagir avec des chevaliers. Mais très important, chaque épée de chevalier appartient à une catégorie bien spéciale. Donc quand vous allez regarder le chevalier en question, vous avez une tête de lion pour l'épée de lumière, vous avez un dragon pour l'épée de feu, vous avez un cerf pour l'épée de vent, et vous avez un corbeau pour l'épée des ténèbres. Donc là, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le chevalier avec le dragon dessiné sur son torse. Donc vous récupérez cette épée. Quand vous avez cette épée, vous allez devoir vous rendre dans le hall d'entrée, en haut de l'escalier, il y aura une statue de dragon et là vous allez devoir placer votre épée dans la fente, soit en appuyant sur action ou soit en faisant un coup de cut. Alors information supplémentaire, il faut savoir que l'épée remplace votre arme de corps à corps. Donc si vous voulez sortir votre épée, il faudra maintenir la touche de corps à corps pour pouvoir l'utiliser. Ensuite quand vous avez placé cette épée, vous allez devoir vous rendre à trois jarres qui sont en feu dans la map. Il y a une jarre enflammée qui se trouve dans la cour, donc sur les grands remparts. À cet emplacement-là, vous allez devoir interagir avec ce feu, ce qui va vous rendre plus rapide, mais qui va vous infliger beaucoup de dégâts. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'acheter l'atout Masto pour pouvoir être plus résistant. Ensuite, quand vous avez interagi avec le feu, vous allez devoir retourner près de votre épée pour pouvoir lui transférer justement cette flamme. Et vous allez devoir répéter cette étape trois fois au total. Donc, les deux autres emplacements des jarres avec le feu se trouvent au Spoon. Il y en a une qui se trouve directement au Spoon et il y en a une autre juste à gauche. Donc, comme je vous le montre dans le gameplay. Quand vous aurez ramené le feu des trois jarres à votre épée, là vous allez pouvoir la récupérer et l'utiliser. Donc information supplémentaire, quand vous allez utiliser votre épée et que vous allez faire des kills, ça va charger votre épée. À un certain moment, vous allez entendre un son et votre épée va être enflammée beaucoup plus que d'habitude. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire une attaque spéciale avec cette épée en maintenant la touche visée et puis ensuite tirer. Et vous allez voir que ça va faire une grosse explosion de feu devant vous, ce qui va exterminer tous les zombies. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir l'épée de lumière, donc l'épée Solaïs, sur la map Citadel des Morts de Call of Duty Black Ops 6 Zombie. Alors pour obtenir cette épée, il faudra tout d'abord activer le pack à punch, ensuite monter jusqu'à la manche 10. Et à la manche 10, vous allez devoir tuer un zombie avec un saut sur la tête. Quand vous allez le tuer, vous allez pouvoir récupérer un item, ce qui vous permettra de récupérer une épée qui se trouve devant les chevaliers dans le grand hall. Alors là, le chevalier qui nous intéresse, c'est celui qui a la tête de lion gravée sur son torse. Donc vous interagissez avec ce chevalier pour récupérer l'épée et ensuite il y aura 4 parasites qui vont apparaître. Ces 4 parasites vous allez devoir les tuer avec votre épée. Quand vous allez en tuer un, vous allez voir que votre épée va charger en lumière. Alors très important, si vous rangez votre épée, la lumière de l'épée disparaîtra. Donc ne rangez pas votre épée et rendez-vous en haut du village pour interagir avec la porte que vous voyez dans le gameplay pour placer le premier symbole de lumière. Ensuite tuez une deuxième luciole avec une aura de lumière. Pour réinteragir avec la porte et placer un deuxième symbole. Vous faites ça avec les quatre parasites pour pouvoir placer les quatre symboles. Alors, petite information supplémentaire, à chaque début de nouvelle manche, vous aurez quatre nouveaux parasites avec une aura de lumière pour réaliser cette étape si jamais vous ne l'avez pas fait. Quand vous aurez réalisé cette étape, vous interagissez avec la porte et ça va vous téléporter à l'intérieur. À l'intérieur, il y aura un socle où vous allez devoir mettre votre épée et quand vous aurez placé votre épée, il y aura quatre symboles qui vont flotter au-dessus de vous. Ce que vous allez devoir faire, c'est de tirer dans les symboles dans l'ordre qui sera affiché sur le socle. Donc, si vous regardez le socle, il y a un symbole lumineux, vous tirez sur le même symbole, ensuite il y aura un deuxième symbole lumineux, vous faites la même chose. Et quand vous aurez fait ça avec les quatre symboles, vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer votre épée. Donc là, vous aurez l'épée de Solaïs. Et ce qu'il faut savoir avec cette épée, c'est que quand vous allez faire un certain nombre d'éliminations, à un certain moment, l'épée va être chargée. À ce moment-là, vous allez pouvoir maintenir L2 et R2, donc viser et tirer en même temps. Pour pouvoir faire son attaque spéciale. Donc, son attaque spéciale, c'est une sorte d'aura qui va vous entourer et qui va one shot les zombies qui vont vous toucher pendant quelques secondes. Ensuite, dernière petite information, si vous recevez un munition max, ça chargera directement la compétence spéciale de l'épée. Et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir l'épée de foudre sur la map Citadel des Morts de Call of Duty Black Ops 6 Zombie. Alors, première chose que vous allez devoir faire, c'est d'accéder au pack à punch. Ensuite, vous allez devoir monter jusqu'à la manche 10 pour tuer un zombie avec un saut sur la tête. Ce zombie va vous donner un item. Avec cet item, vous allez pouvoir récupérer une épée sur les chevaliers qui se trouvent dans le grand hall. Là, par contre, l'épée qui nous intéresse, elle se trouve sur le chevalier avec la tête de serre dessinée sur son torse. Donc vous récupérez cette épée et à ce moment-là, vous allez devoir trouver trois paratonnerres. Le premier paratonnerre se trouve à côté de l'atout d'Aikiri. Juste à côté de l'atout, vous avez le premier paratonnerre que vous allez devoir récupérer tout simplement en appuyant sur la touche interaction. Ensuite, le deuxième paratonnerre, vous allez devoir tuer un zombie blindé. Alors par contre moi je m'étais équipé du mos de munition câble HS. Après je pense pas que c'est obligatoire de l'avoir, mais si jamais c'est obligatoire je vous tiendrai au courant dans l'espace des commentaires. Alors quand vous en aurez tué un, là vous obtiendrez le deuxième paratonnerre. Pour le troisième, vous allez devoir vous rendre en haut du village et vous allez voir que sur une parabole il y a le troisième paratonnerre. Pour l'obtenir, vous allez devoir tirer sur le générateur qui se trouve juste en dessous. Par contre là je pense que c'est obligatoire d'avoir le mos de munition câble HS. Ensuite quand vous aurez tiré sur le générateur, la pièce va tomber et vous n'aurez plus qu'à la récupérer. Quand vous avez récupéré ces trois pièces, vous allez devoir vous rendre au rempart. Donc, à l'entrée du château, sur le rempart de gauche, vous aurez une sorte de vase où vous allez pouvoir mettre ces trois paratonnerres. À ce moment-là, ça va créer une zone où il y aura des zombies spéciaux qui vont apparaître. Je pense que vous n'êtes pas obligé de les tuer, mais vous devez quand même rester dans cette zone jusqu'à temps qu'un éclair touche votre épée et charge votre épée. Quand votre épée est chargée, vous allez devoir frapper sur les paratonnerres pour les charger trois fois. Donc, vous allez devoir répéter cette étape trois fois. Quand vous aurez terminé, là, vous allez pouvoir placer l'épée à l'intérieur du vase. Et quand vous aurez attendu quelques secondes, vous allez pouvoir la récupérer. Alors, la capacité spéciale de cette épée vous permet d'utiliser la foudre pour tirer sur les zombies. Et pour ce faire, vous avez juste à maintenir L2 et R2 quand votre épée est chargée. Pour rappel, pour charger votre épée, il suffit juste de tuer des zombies ou alors d'obtenir un munition max. Et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir l'épée des ténèbres sur la map Citadel des morts de Call of Duty Black Opsis Zombie. Alors, comme d'habitude, vous allez devoir accéder au pack à punch, ensuite atteindre la manche 10 pour tuer un zombie avec un saut sur la tête. Quand vous allez le tuer, vous allez récupérer un item, ce qui vous permettra de récupérer une épée sur les chevaliers. Alors, l'épée qui nous intéresse cette fois-ci, c'est le chevalier avec le corbeau sur l'épaule qu'il détient. Donc, vous interagissez avec ce chevalier, vous récupérez l'épée, et quand vous avez récupéré cette épée, vous allez devoir récupérer un objet d'antiquité qui se trouve dans la salle d'alchimie et dans la salle de la toux courir vite. Alors, très important. Il faut savoir que cet objet a plusieurs emplacements. Parce qu'il y a plusieurs objets potentiels que vous allez pouvoir récupérer. Par exemple, moi, j'ai récupéré un objet sur une étagère dans la salle d'alchimie qui correspond apparemment au lion. Mais en réalité, il y a plein d'autres objets qui correspondent à plusieurs signes astrologiques. Donc, principalement, vous allez devoir fouiller ces deux zones pour essayer de trouver l'objet en question. Donc, les objets peuvent se trouver sur une des tables dans la salle d'alchimie ou alors sur une table ou une étagère qui se trouve près de la tout courir vite. Donc vous allez devoir chercher dans ces deux lieux. Bien évidemment, dès que j'en saurai plus sur ce sujet, je vous mettrai en description, en commentaire épinglé, une liste avec tous les emplacements des objets. Ou alors je referai carrément une vidéo à part que je vous mettrai en description, en commentaire épinglé, pour vous montrer tous les emplacements. Enfin bref, quand vous avez réussi à obtenir cet objet, vous allez devoir vous rendre dans le sous-sol de la taverne. Dans ce sous-sol, vous aurez un grand rond sur une mur où vous allez devoir placer cet objet. Ensuite, vous allez devoir résoudre une énigme. Donc cette énigme est assez compliquée et je vais essayer de vous l'expliquer au mieux que je peux. Alors par rapport à l'objet antiquité que vous allez obtenir, chaque objet correspondra à un symbole. Par exemple, si vous avez la corne de bélier, bah, c'est le signe astrologique bélier. Si vous avez la corne de corbeau, bah, c'est le signe astrologique corbeau. Si vous avez un scorpion dans la roche, bah, c'est le signe scorpion, etc., etc. De toute façon, là, je vous affiche une image avec tous les signes astrologiques qui correspondent à chaque objet d'antiquité. Étant donné que moi je ne savais pas quel objet j'avais, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait plusieurs combinaisons. Donc j'ai essayé avec le bélier, donc triangle vers le bas, triangle vers le haut, triangle vers le bas barré, triangle vers le haut barré, etc. etc. J'ai fait ça avec tous les signes jusqu'à temps de tomber sur le lion. Donc si vous avez le même symbole que moi, vous allez devoir mettre le symbole lion en bas, près de la petite flèche verte, et mettre le triangle vers le haut. Ensuite vous appuyez sur le rond pour valider votre choix. Donc, si maintenant vous n'avez pas le même objet que moi, bah vous pouvez essayer toutes les combinaisons. Bien évidemment, quand toutes les combinaisons auront été découvertes, je vous mettrai aussi en description en commentaire épinglé la liste de toutes les combinaisons. Ou alors je vous referai carrément une vidéo à part pour vous expliquer toutes les combinaisons que je mettrai aussi en description en commentaire épinglé. Alors, ensuite, quand vous aurez trouvé la bonne combinaison, vous allez voir qu'il y aura un portail vers l'éther noir qui s'ouvrira. Ce que vous allez devoir faire, c'est de vous placer derrière le portail pour faire en sorte que les petites orbes qui vous suivent ne vous touchent pas mais soient directement aspirées par le trou noir. Donc vous faites en sorte que ça aspire 3-4 boules et dès que ça en aura aspiré suffisamment, vous allez voir que le portail va se déplacer. Vous avez juste à suivre la petite lueur jusqu'au prochain portail et faire la même chose. Ensuite, le portail va encore se déplacer. Il va aller près du billard juste en haut et vous faites la même chose. Vous vous placez derrière le portail. Vous faites en sorte que les boules soient absorbées par le trou noir. Et quand ce sera bon, vous allez voir que le portail va se redéplacer vers l'emplacement où vous avez réalisé l'énigme. Donc vous retournez à cet emplacement là. Vous interagissez avec l'énigme et là, il y aura un portail vers l'éther noir qui va aspirer l'épée. Là, vous allez devoir attendre quelques petites secondes que l'animation se fasse et ensuite vous allez pouvoir récupérer cette épée. Alors, pour information, l'attaque spéciale de cette arme va pouvoir créer une faille vers l'éther noir et aspirer tous les zombies qui sont aux alentours. Et comme d'habitude, pour activer cette compétence, vous allez devoir appuyer sur L2 et R2 en même temps, donc viser et tirer en même temps, vous maintenez ces deux touches et vous allez voir que vous allez faire une attaque spéciale. Alors, pour charger cette attaque spéciale et l'utiliser, il faudra soit tuer des zombies ou soit avoir un munition max. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter une vidéo qui vous explique comment améliorer chaque épée élémentaire. Et dès que j'aurai posté la vidéo, je vous mettrai le lien en description, en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse.